Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment quantiser à la grille une batterie euh, multipiste avec un script de mon cru pour aller très rapidement. Le script, vous le trouverez donc dans la description euh, de cette vidéo, un lien pour le télécharger. Une fois que vous avez le téléchargé, eh bien, il faut l'installer. Comment se faire Vous allez dans Options, Show Reaper Resource Path in Explorer Finder. Voilà qui est fait. Vous prenez le dossier répertoire script qui se trouve dans le dossier que vous venez d'ouvrir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un petit répertoire avec votre nom. Vous glissez le script dans ce répertoire. Vous pouvez alors revenir dans Reaper. Vous ouvrez l'action list. Et dans l'action list, vous cliquez sur Load, vous sélectionnez le script fraîchement importé et vous cliquez sur Ouvrir. Vous avez maintenant un nouveau script qui est présent, une nouvelle action qui est présente dans votre action list. Alors attention, il est impératif de bien comprendre que ce script nécessite obligatoirement la présence des extensions SWS. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger ces extensions euh, qui sont... Euh, en shareware donc vous pouvez les télécharger et faire un petit don au passage si vous êtes amené à les utiliser euh, souvent une fois que cette action est présente dans reaper et eh bien elle se comporte comme toutes les autres actions vous pouvez lui accorder un raccourci clavier un icône etc je vais ici moi lui accorder simplement un raccourci clavier par exemple le shift q voilà alors comment fonctionne ce script et eh bien c'est assez simple j'ai ici vous faire comprendre d'abord de quoi elle retourne une piste de batterie, je vais allumer le clic et vous allez entendre que lorsque je joue cette batterie, et eh bien elle n'est pas forcément super bien synchronisée avec la grille. Écoutons, voyez, on commence par ici à sentir qu'il y a un gros décalage entre la grille et le, donc le métronome et la partie jouée par le batteur. Nous allons donc recaler ça euh, parfaitement. Alors, on va commencer par sélectionner tous les items qui doivent, être, euh, qui doivent fonctionner ensemble. Donc ici, toutes les pistes de batterie afin qu'elles tout reste bien synchronisé au niveau de la répartition des micros. Et on va les grouper à l'aide de la touche G ou de l'action Group Items. Celle-ci. Afin que ce que je vais appliquer à un item soit appliqué aux autres. Ce script, pour bien fonctionner, dépend de euh, la détection des transitoires. Et donc, si vous, si, vous, si vous cliquez sur D pour ouvrir cette fenêtre, la fenêtre de Dynamic Split, ou via l'action list Dynamic Split Items, vous avez ici un Set Transient sensitivity que vous pouvez activer. Et lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs pistes, eh bien vous pouvez voir qu'il il apparaît des, euh, des pointillés qui vous prévient d'une éventuelle coupure. Eh bien je vous invite donc à régler ici, à l'aide de la sensibilité et du threshold, euh, les paramètres de cette fenêtre afin de vous assurer que les transitoires sont bien reconnus. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout fermer. Vous allez sélectionner les items, les pistes de batterie qui sont les plus essentielles au groove. Généralement, c'est le kick et la caisse claire, mais on peut aussi retrouver par, un, par moment la présence des tomes. En gros, vous sélectionnez les pistes que vous voulez comme référence d'être synchronisé à la grille. Ici, dans mon cas, je vais simplement sélectionner la kick, le kick et la caisse claire. Je vais me positionner mon curseur de lecture juste avant la première transitoire et je vais tout simplement maintenant lancer euh, mon, mon script de façon successive. En fait, le script va s'arrêter à chaque transitoire et la couper et directement la quantiser. Alors, comme il y a quantisation, bien entendu, il tient compte de la, du pas de quantisation de la grille. Ici, ma quantisation est placée, si je clique droit, sur 1,4. Je sais que certains coups du batteur sont peut-être placés sur d'autres. Euh, délimitation de mesure et donc je vais m'assurer d'avoir une, 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 une résolution de gris un peu plus fine et je vais donc passer en 1.16. Voilà. J'ai donc maintenant sélectionné mes deux pistes guides, mon grid est placé comme je le souhaite, il me suffit alors de, de lancer mon script Shift Q, vous voyez qu'il a coupé et quantisé, il m'amène directement à la prochaine transitoire et si je veux continuer, eh bien je continue avec Shift Q. Et je peux continuer comme ça, ainsi, à passer en revue chaque coup. Si d'aventure, le pas de la grille ne correspondrait pas, et eh bien, avant de lancer le script, vous changez le pas de la grille. Vous pouvez également replacer votre, votre curseur d'édition si jamais euh, il ne se plaçait pas comme il faut. Mais généralement, le script marche assez bien. Et vous voyez que je peux avancer très rapidement. Voilà, ici, le pas de quantification de grille était un petit peu différent. Il en a tenu compte. Et je continue. Et voilà, j'arrive à la fin de ma, ma grille. Je vais réécouter maintenant ce que ça donne à partir d'ici avec le métronome. Alors, on entend que c'est bien synchronisé. Malheureusement, on constate et on entend qu'il y a encore des trous. Dans la, dans la partie, dans, dans, certains, dans certains items. Eh bien, pour, ce, pour régler le problème, nous allons sélectionner tous les items que nous avons mis en découpe. Nous allons aller dans l'action list et nous allons entrer le nom « Fill gaps » qui est une action, une fenêtre propre au SWS à laquelle vous pouvez aussi ajouter un raccourci clavier ou un icône, si le cœur vous en dit. Vous lancez donc cette action. Et ici, vous avez plusieurs paramètres à remplir. Donc le trigger pad, la, la longueur du, du, du crossfade, le, la, le gap minimum, la possibilité de marquer des éventuels artefacts. Vous pouvez également utiliser la fonction de scratch et le type de la, du fondu enchaîné. Une fois que vous êtes satisfait avec vos paramètres, et bien vous cliquez sur OK et vous constatez alors que les trous ont été comblé les, les marqueurs vous alertent des endroits où possiblement il y aurait un artefact audio on va écouter. Donc voilà, en quelques secondes, nous avons pu quantiser une batterie à la perfection sur le grid. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.